Je suis le prophète Joël Crasso, il est pratiquement 16h ma montre. Je suis venu chercher l'évangéliste Dia. Voilà, elle fait partie du ministère, c'est l'évangéliste. Voilà, une femme de feu. Sommet, il la cherchait. On avait un souci avec. C'est ma deuxième voiture. On avait un souci avec la Ispire, donc je tiens à m'excuser. Après de tous ceux qui nous suivent, toutes mes activités qui sont pratiquement actives. On avait un souci au niveau de la Ispire, il y avait un problème. Tout ça, donc le garagiste vient de régler la chose. Donc nous convoyons le pasteur Serge qui était avec moi, nous avons animé en studio, nous avons fait deux jours de studio. Et en même temps, on devait aussi attendre un colis qui va arriver de Paris. Ben, on nous a ramené jusqu'à lundi. Donc voici un peu ces petits soucis qu'on fait que on n'a pas respecté le temps. Mais nous allons à Dibo pour délivrer des gens. C'est pour dire, notre vision, c'est de gagner au maximum de personnes. Pendant que les gens sont à Abidjan, nous travaillons à l'intérieur. Voilà, nous travaillons à l'intérieur. Et vous les mystiques, là, c'est vous qui parlez beaucoup. Moi, j'ai traversé l'année 2000. L'année 2000, 15 ans, je vais traverser ça. C'est parce qu'on n'a plus de clients. Vous attaquez le prophète Crasso. Moi, je n'ai pas peur de vous me dire rien. Rendez-vous 2016. Voilà. Comme vous dites que vous allez avoir des émissions avec moi, j'attends. On entre en 2015, 2016. Ici, dans cette nation-là, ce n'est pas vous les sorciers, les mystiques. Parce qu'un mystique, un sorcier, un mystique et puis un petit chien, un agent de Satan. Moi, je travaille. Hein. Je vous attends. J'étais sur Paris, vous avez bavardé, je suis entré en Côte d'Ivoire. Sortez de vos réserves. Et on va essayer de voir dans vos camps et le camp de Jésus où est la vérité. Je vous attends. Là, nous travaillons pour que les gens entrent en 2016. Nous, ça, nous sommes des agents de développement. Il faut que les gens soient délivrés de ces mangeurs d'arbres.